Dans l'actualité ce soir, à Zinyari dans l'Oupitenga, le ministre de la Justice appelle à plus de pardon entre les protagonistes de la crise des 22 et 23 avril dernier, entre autochtones et communautés peules du village de Bouziga. Une démarche du ministre qui intervient au moment où plusieurs plaintes ont été déposées et attendent d'être examinées. Comment se mène le processus de réconciliation? Viviane Tiendrabego nous répondra dans ce journal. Et puis, la Banque mondiale évalue son portefeuille de projets et programmes qu'elle finance pour le Burkina. Une enveloppe estimée à 657 milliards de francs CFA, responsables de la banque et autorités burkinabè, se sont retrouvés ce matin sur la question. Une rencontre qui a permis de voir ce qui a pu être fait, nous dira Drissa Séré. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Leur cœur ne se sent pas toujours apaisé entre autochtones et communautés peules du village de Pousse-Ziga dans l'Oupitenga. Depuis les incidents entre agriculteurs et éleveurs les 22 et 23 avril dernier, une cinquantaine d'hommes, de femmes et d'enfants se sont réfugiés au poste de gendarmerie où ils vivent désormais. Plusieurs plaintes ont été déposées en attendant le traitement du dossier. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est déplacé à Zinyari pour aller échanger avec les protagonistes. Elle a réitéré surtout le pardon pour les deux parties. Viviane Tiendrabego. Divagations, maisons abandonnées, voici ce qui reste du campement Peul du village de Tanguin. Les incidents agriculteurs-éleveurs n'ont pas épargné la cour du chef de Pousse-Ziga située à quelques kilomètres du campement. Plus de deux semaines après les événements, les stigmates sont toujours là. Sur les 75 personnes qui vivaient dans ce campement, 56 ont trouvé refuge dans l'enceinte de la gendarmerie de Zinyari. La vraie réparation passera par l'apaisement des cœurs, c'est-à-dire le fait qu'on permettra à ces femmes et à ces enfants d'avoir des lieux de vie, à ces peuls éleveurs et agriculteurs d'avoir des lieux de vie. En rencontrant les représentants des deux communautés ce 12 mai, Joséphine Ouédraogo leur a demandé de privilégier en tout le pardon et de faire confiance en la justice. Il y a eu une situation à Bouzé où il y a eu un enlèvement de deux qui ont été ligotés loin de leur concession, à 70 km de leur concession dans la Pousse, et soumis à un interrogatoire. Et cette situation a fait suite à un cas de vol de 26 bœufs. Le propriétaire de 26 bœufs a refusé de répondre à la convocation, comme quoi lui, il va résoudre le problème de lui-même. On ne peut plus dire le code des Blancs parce que toute l'administration, toute la gouvernance de l'état de droit fonctionne sur la base de structures, d'institutions autour desquelles les États, à travers des conventions, se sont accordés. Dans un pays, on peut avoir 1000 coutumes, 1000 traditions, 1000 pratiques sur le même problème. Nous devons travailler, c'est ce qui a été dit, à diffuser, à sensibiliser les populations dans la compréhension du droit. Dans la gestion des événements des 22 et 23 avril 2015, plusieurs personnes ont pesé de leur poids pour apaiser la situation. Quand les jeunes sont venus à la cour royale, nous leur avons demandé de mettre le pardon au lieu de tout, parce que c'est la seule condition pour que nous puissions bien vivre ensemble. C'est notre message de tous les jours depuis le début des événements. Dès l'instant où il y a eu vol, dès l'instant où il y a eu dommage, dès l'instant où il y a eu des violences, dès l'instant qu'il y a des accusations, etc., etc., qu'on puisse trancher sur cette question-là. Et déjà, le tribunal ici fait son travail, le procureur fait son travail, donc il y a des dossiers d'instruction et nous pensons que la solution passe par là, parce que même clame justice. Mais pour construire la paix de façon définitive, il faut entre autres, selon la délégation de Pousse-Ziga, que les autorités parlent à l'ensemble des 8 localités que le problème concerne. En attendant, il faut relocaliser ceux qui vivent en ce moment dans l'enceinte de la gendarmerie de Zinyari avant l'installation de la saison des pluies. Et avant de poursuivre, sachez que le président Michel Kafando s'est fait enrôler ce matin à Ouagadougou. Une occasion pour le président de la transition d'appeler les Burkinabés en âge de voter et qui ne détiennent encore de carte d'électeur
à faire comme lui l'opération de révision exceptionnelle qui a débuté ce matin est la dernière étape pour les provinces du Ganzourgou, du Houé, du Kadiogo et du Kuritenga. Draman Guéné. Le César entre les mains, le président du Faso peut voter lors des élections à venir. Avec la première dame qui vient elle aussi de se faire enrôler ici au lycée Bambata de Ouagadougou, le couple présidentiel compte accomplir son devoir civique le moment venu. Je suis venu moi-même procéder à mon inscription de façon à pouvoir accomplir mes devoirs civiques, c'est-à-dire pouvoir mettre le bulletin dans l'urne le 11 octobre 2015. Et au président du Faso d'appeler les populations des zones concernées par cette opération à faire enrôler massivement. Encore une fois, il nous reste encore quelques jours et j'en appelle à la jeunesse, essentiellement à la jeunesse. Inscrivez-vous, profitez du dernier bon qui reste jusqu'au 18 mai pour vous inscrire massivement. Parce que c'est la seule façon pour vous de pouvoir déterminer votre avenir, pouvoir choisir vos dirigeants et donc de pouvoir vous-même, en tout cas, participer au développement de ce pays-là. Je voudrais encore une fois remercier le président de la CENI, ici présent, remercier tous ses collaborateurs, parce que vous vous imaginez, ce n'est pas une œuvre facile. Pendant 2 mois et demi, on sillonne les 45 provinces pour procéder à ces inscriptions-là. Côté CENI, rien n'a signalé selon son président. Les équipements et le personnel nécessaires à la bonne conduite de l'opération sont déployés depuis ce matin. La CENI n'a strictement aucun problème, ni matériel, ni aucun problème de personnel aujourd'hui. Sur l'ensemble du territoire national, donc la dernière zone, ce qui est la zone 6, tous les emplacements sont équipés avec les kits. Vous avez constaté, les opérateurs de kits sont là. Nous sommes en train de prendre un certain nombre de dispositions pour qu'à certains endroits, il y ait aussi les aides opérateurs de kits. Les gens sont enthousiastes et vraiment tout est fin prêt pour que le travail puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Pour cette dernière zone de révision exceptionnelle des listes électorales, la CENI s'attend à beaucoup plus d'affluence. L'opération est ouverte du 12 au 18 mai et concerne les provinces du Kadiogo, du Houé, du Ganzourgou et du Kuritenga. Au premier ministère, le premier ministre Yacouba Isaac Zida échange avec le président du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sur la sécurité alimentaire dans la sous-région. Le Club du Sahel est une plateforme internationale exclusivement dédiée aux enjeux régionaux en Afrique de l'Ouest, comme la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le premier ministre a également reçu les parents des victimes du crash en Algérie, venus témoigner leur gratitude au peuple burkinabé. Éléonore Yerbanga. Les résultats de la première phase de l'enquête sur le crash du vol d'Air Algérie met en cause l'équipage qui n'aurait pas activé le système de protection contre le givre de certains capteurs, ce qui aurait conduit au dysfonctionnement de capteurs de pression selon le bureau d'enquête et d'analyse. Des résultats qui ne satisfont pas les parents des victimes au Burkina Faso. Ils l'ont fait savoir au Premier ministre au cours d'une audience, tout en félicitant le gouvernement burkinabé pour son implication. Nous continuons à chercher toujours les responsabilités. Maintenant, on attend le dernier rapport, en fait, en décembre. Mais jusqu'à présent, bon, nous n'avons pas été très satisfaits. Mais bon, nous avons des bribes, comme nous sommes aussi des juristes et des gens bien pensants. Nous avons une idée de ce qui s'est passé. Je dis tout simplement, je redis, que c'est très dommage de mourir au 21e siècle dans un accident d'avion suite à des négligences. C'est stupide. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et nous avons été vraiment bien compris une fois de plus. C'était l'occasion pour remercier les autorités burkinabè pour nous avoir entourés et la population burkinabè qui a fait montrer de solidarité et de sollicitude. À leur suite, le Premier ministre a reçu le président du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest pour échanger sur la question de la sécurité alimentaire dans cette partie du continent. Nous avons surtout parlé de politique de sécurité alimentaire, de résilience contre l'insécurité alimentaire et nous avons pu échanger des vues sur la façon dont le Burkina Faso pouvait aussi contribuer, comme il le fait d'ailleurs déjà, de façon très constructive à la sécurité alimentaire dans la région. Le président du club a par ailleurs demandé la liste des priorités du pays en matière de sécurité pour une bonne action du club au Burkina Faso.
après sa décision controversée qui suspend les émissions interactives au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication va ouvrir bientôt des concertations. Dans une déclaration faite à la presse cet après-midi, le CSC invite les promoteurs des médias audiovisuels à une concertation dans les jours à venir. Et le directeur général des affaires juridiques du Conseil donne ici la teneur de cette déclaration. Il s'exprime au micro de Hortense Evelyne Yélémo. L'objectif de cette déclaration est prendre acte de toutes ces réactions vis-à-vis de l'opinion publique, mais aussi informer l'opinion publique que le Conseil supérieur de la communication reste attaché à la liberté d'expression et que ces différentes réactions vont lui permettre de voir dans quelle mesure trouver des solutions. Et c'est dans ce sens que le Conseil va, dans les jours à venir, évoquer une concertation générale avec les différents promoteurs de médias audiovisuels et tous les acteurs intéressés et pour réfléchir sur comment trouver des solutions pour améliorer le contenu des émissions interactives. Et si ces différentes concertations aboutissent à des propositions et à des recommandations ou à des avis, le Conseil pourra, dans les jours à venir, prendre une décision dans ce sens. Voilà, donc il faut savoir que le Conseil supérieur de la communication, très attaché au principe de la liberté d'expression, n'est pas fermé à la discussion, à la concertation. C'est pour cela que, permanemment, des promoteurs de médias qui réagissent sont reçus favorablement et le Conseil attend des propositions de ces acteurs-là. En politique, la convergence pour l'émergence et le développement vient s'ajouter à la liste déjà longue des partis et formations politiques au Burkina. Les responsables du nouveau parti étaient face à la presse dimanche pour présenter la vision politique du parti. Et selon les animateurs de la conférence de presse, la convergence pour l'émergence et le développement est un parti d'inspiration socialiste. Et pour eux, l'un des objectifs du parti est l'instauration d'une culture démocratique fondée sur les cultures africaines et burkinabées. Estelle Judith Assogba. Pendant que les formations et partis politiques sillonnent les villes et campagnes pour inviter leurs militants et sympathisants à se faire enrôler, un nouveau parti fait son apparition sur la scène politique. La Convergence pour l'émergence et le développement CED. Son bureau exécutif, dirigé par Yacouba Bari, a animé ce week-end une conférence de presse. Primo, expliquer les raisons de la création du parti et secondo, se faire connaître sur l'ensemble du territoire national. C'est vraiment une nouvelle forme de développement pour ce pays-là. Bon, il y a eu beaucoup d'orientations dans le domaine du développement. Bon, la CED aussi a quelque chose pour apporter au public burkinabé. La pauvreté que connaît la population puisse un jour, même si on n'éradique pas la pauvreté, au moins un jour, plus de 50% des Burkinabés auront de quoi manger deux fois par jour. Et c'est ça vraiment ce que nous visons au sein du parti. C'est le 16 avril dernier que le parti a obtenu son récépissé et selon son président, il a pour but ultime la conquête du pouvoir d'État. Tout parti, c'est la conquête du pouvoir. Et là, vraiment, bon, au niveau de la CED, nous sommes là, comme tous les autres partis. Et nous sommes un parti qui va participer aux élections. Et je pense qu'avec le congrès à venir, bon, cela pourra se confirmer d'ici là. La Convergence pour l'émergence et le développement est prise dans 4 provinces, Kadogo, le Gourma, le Koulpelgo et le San Matenga. De son côté, le Rassemblement démocratique et populaire de Nana Thibault soutient la candidature de Djibril Bassolé à la présidentielle de octobre prochain. Pour sa déclaration publique, Nana Thibault était face à la presse et sur l'exclusion du jeu électoral de certains dignitaires du régime Compaoré qui ont soutenu ouvertement la modification de l'article 37. Nana Thibault en appelle au sens du pardon et de la tolérance des Burkinabés. Dramane Guéné. Le Rassemblement démocratique et populaire soutient la candidature de Djibril Bassolé à la présidentielle de 2015. C'est la position du parti défendue par Nana Thibault au cours de cette conférence de presse.
Je soutiens Gibrine Bassolé parce que c'est un grand homme que j'ai connu, sage, respectueux. Voilà pourquoi j'ai opté pour le soutenir. Qu'il soit candidat ou pas, je reste toujours derrière. Je reste et je resterai toujours Gibrine Bassolé. Le président du Rassemblement démocratique et populaire appelle les acteurs de la classe politique, civile comme militaire, à oublier le passé et à envisager un avenir radieux pour le Burkina Faso. Mon souhait, c'est d'interpeller à tous les Burkinabés, faire appel à tous les Burkinabés, à ce que nous soyons dans la même direction, la direction de la paix, de la cohésion sociale, de la solidarité. Et c'est le souhait le plus ardu de tous les Burkinabés. Et rien n'essaie de dire aujourd'hui qu'un tel m'a fait ceci, cela hier. Mais aujourd'hui, je vais le rembourser. Évitons les esprits revanchards. L'inclusion, la transparence et la tolérance sont des solutions de sortie des crises proposées ici par le Rassemblement démocratique et populaire. Les Sankaris préparent activement leur convention du 16 mai prochain. On en sait un peu plus sur la tenue de cette rencontre à laquelle doit prendre part Mariam Sankara, l'épouse de feu Thomas Sankara. La convention Sankaris doit aboutir au choix d'un candidat unique des Sankaris pour la présidentielle de octobre prochain. Claudine Bikaba. Les partis Sankaris, qui ont toujours eu du mal à être sur la même longueur d'onde, veulent accorder leur violon. Pour cela, il se prépare pour la convention d'union Sankaris prévue pour se tenir les 16 et 17 mai prochains. Les guerres dans tous les partis, ça existe. Et ça existera toujours. Parce que les ambitions politiques, les ambitions en politique sont énormes. Simplement, il faut avoir les moyens de s'appuyer. Cette convention qui réunira 9 formations politiques qui défendent les idéaux du capitaine Thomas Sankara va permettre au mouvement sankariste de choisir les candidats pour la présidentielle à venir. Nous ne pouvons pas aller à cette convention parce que nous, sans pouvoir décliner notre projet de société, il y a d'autres qui nous ont gouvernés pendant 27 ans. Nous parlons d'une alternance alternative sankariste et nous devons nous entendre sur notre façon de voir en termes de gouvernance. Donc également, ça fait partie également des objectifs. La convention est placée sous le sceau d'un renouveau sankariste et sous le haut patronage des compagnons de la Révolution et de Mariam Sankara, épouse de feu Thomas Sankara. Elle va atterrir à l'aéroport international de Ouagadougou le 14 mai à 16h, selon le comité d'organisation. Et puis le président du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, était à Séba dans le Yaga pour un meeting. Rockmar Christian Kabore a pu mobiliser les militants de son parti à l'occasion. Les messages forts qu'il a délivrés avec Claude Ouedraogo. Les militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès MPP des communes de Sampelga, Séba et Solhan ont reçu la visite du bureau national conduite par son président Rockmar Christian Kabore, dit être venu pour une prise de contact avec les militants de base et les réconforter pour une forte mobilisation autour du parti. Lorsque on veut briguer la magistrature suprême, c'est déjà de se présenter devant les populations pour qu'on sache qui on vote et qu'il y ait un lien de confiance qui se tisse pour permettre à ce que cette élection-là soit victorieuse. Donc voilà l'exercice auquel nous nous livrons en ce moment sur l'ensemble du territoire national. Jeunes, femmes, vieux, tous ont rassuré la délégation de leurs adhésions aux idéaux du parti. Ils ont aussi soumis à la délégation les problèmes qui minent leur développement. Et sur ces points, les présidents du MPP rassurent. Et c'est un devoir de faire en sorte qu'au niveau du Sahel, ces préoccupations en nous, ce soient des préoccupations qui soient derrière nous. Et c'est pourquoi ça nous engage à faire des efforts pour que dans cette zone, l'eau, la santé, l'éducation, ce soient des aspects qui soient priorisés. Situation nationale oblige, les présidents du MPP, dans ses allocutions, a salué la mémoire des orpailleurs victimes de l'éboulement le 30 avril 2015 à Djibo.
Je vous le disais en titre, la Banque mondiale évalue son portefeuille de projets et programmes qu'elle finance pour le Burkina Faso. Une enveloppe estimée à 657 milliards de francs CFA. La rencontre de ce matin à Ouagadougou a permis de voir ce qui a pu être fait pour le moment. Drissa Séré. À ce jour, le portefeuille de la Banque mondiale pour le Burkina comporte 16 projets nationaux et un appui budgétaire global pour un montant estimé à 1,123 milliards de dollars américains, soit environ 657 milliards de francs CFA. Avec un ratio de décaissement de 14,2%, le niveau de réalisation du portefeuille reste en deçà des attentes. La revue donne l'opportunité aux parties prenantes d'examiner les progrès accomplis, mais aussi et surtout d'identifier les contraintes qui entravent les performances. Si dans l'ensemble, il y a des résultats qui sont obtenus, nous voyons que malheureusement, il y a des projets particuliers qui ne s'exécutent pas au rythme que nous avons souhaité et par conséquent ne produisent pas les bénéfices que nous en attendions. L'objet d'une revue comme celle-là, justement, c'est de mettre le doigt sur là où ça fait mal afin de trouver les solutions durables afin que tous les projets puissent contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de développement du Burkina Faso. Malgré le contexte insurrectionnel des 30 et 31 octobre 2014, la Banque mondiale est restée aux côtés du Burkina Faso. Pour sa part, le gouvernement a promis tout mettre en œuvre pour une exécution efficace des projets et programmes financés par les partenaires. Dès demain, dès demain, les conclusions de cette revue, je vais les soumettre au gouvernement. Et nous allons commencer dès demain, en tout cas, à appliquer ce qui peut l'être, de manière à ce que d'ici fin juin, voilà, les performances qui ont été constatées puissent, à défaut d'être doublées, en tout cas d'être beaucoup plus accrues. Surmonter les pesanteurs administratives, simplifier les procédures, promouvoir la transparence, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les acteurs ont pris l'engagement de travailler à faire en sorte que le portefeuille de la Banque mondiale produise des résultats bénéfiques pour toute la population. Et puis le ministère de l'Économie et des Finances vient de lancer un recensement fiscal. L'opération a pour but de maîtriser la population fiscale à travers l'identification de nouveaux contribuables, mais aussi le reclassement des anciens contribuables dans leur régime d'imposition adéquat. L'opération va couvrir du 12 mai au 31 juillet prochain. Explication avec Adama Koulibaly. Honoré Ouédraogo est le tout premier contribuable à recevoir la visite des agents recenseurs dont le ministre de l'Économie et des Finances pour l'occasion dans le cadre de l'opération de recensement fiscal dans la ville de Ouagadougou. En tant que citoyen burkinabé et en activité, nous devrons être déclarés systématiquement et annuellement afin de pouvoir contribuer à l'avancée effectivement de la société. En ce sens que nous réclamons beaucoup du gouvernement. Donc nous sommes aussi des acteurs qui devons contribuer à ce que cela nous permette effectivement d'améliorer la vie des uns et des autres d'une façon ou d'une autre. L'objectif de ce recensement, maîtriser la population fiscale qui devrait permettre, une fois réalisée, d'immatriculer les nouveaux contribuables et reclasser les contribuables dans leur régime d'imposition adéquat. Les objectifs de cette opération, c'est d'abord de situer chacun au juste niveau où il doit être. Le recensement nous permet d'identifier aussi les nouveaux contribuables qui ne sont pas encore dans nos livres. Donc on appelle ça le fichier. Et dès que vous êtes découvert, vous êtes immatriculé, on vous attribue un numéro. Donc vous devenez un nouveau contribuable. Donc cette opération va nous permettre donc d'agrandir le nombre de contribuables et de parler terre à terre. Sinon, nous, on appelle ça élargir l'assiette. Nous nous attendons à une amélioration donc, du niveau de mobilisation des ressources de l'État. Mais il ne s'agit pas donc d'accroître une quelconque pression fiscale sur le tissu économique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'appliquer le principe de justice et d'équité fiscale qui veut que tous les fils de ce pays-là puissent apporter leur pierre à la construction de l'édifice national en fonction de leurs capacités contributives. C'est de ça qu'il s'agit. Ce recensement s'inscrit également dans la dynamique de la segmentation des contribuables suivant les régimes d'imposition dans le but d'améliorer les recouvrements et rentabilités de certaines taxes et impôts. Environnement, les dozos de la région du Nord se sont donné rendez-vous ce 4 mai dans la forêt classée de Douma pour leur rencontre annuelle. Une tradition qui a pour but d'aider à la préservation de l'environnement et des forêts dans cette partie du Burkina. Adama Ouédraogo.
L'on se croirait sur un champ de tir militaire, mais loin de là. Nous sommes à Douma dans la commune de Tangaï pour la cérémonie coutumière des chasseurs d'oiseaux. Venus du Mali pour certains et du Burkina pour d'autres, ces dozos ont mis à profit cette coutume pour inaugurer une forêt qui leur est dédiée. Nous avons vu que vraiment nos animaux qui étaient dans la région commencent à disparaître ou du moins c'est presque disparu. Donc nous tenons à ce que reboiser le coin pour que les arbres puissent revenir, pour que peut-être les peu d'animaux qui sont toujours dans la forêt là, puissent vivre et ramener d'autres. C'est une forêt qui s'étale sur plus de 300 hectares. Elle serait reboisée pendant la saison pluvieuse. Présent à l'inauguration de la forêt, les techniciens de l'environnement apprécient l'acte des dozos. Nous sommes dans une région où vraiment la rareté des ressources fait que pour vivre, il est difficile. Et notamment les animaux, qui est leur activité quotidienne. Donc je pense que nous sommes de cœur avec eux, nous les accompagnons et nous sommes prêts toujours à les accompagner. Et nous pensons qu'avec cette noble activité, que demain, d'autres clubs se naissent et empruntent les mêmes pas. Nous demandons de ne pas tuer les animaux mystiques pour que nos petits-fils puissent les connaître. Il n'est pas donné à tout chercheur de tuer les animaux mystiques comme les crocodiles, les porcs-épics et bien d'autres. Outre la chasse, ces dozos participent également à la sécurité des personnes et des biens dans leurs localités respectives. Et puis le ministère de l'Environnement continue sa sensibilisation sur l'interdiction de l'utilisation des sachets emballages plastiques au Burkina. Ce lundi à Ouagadougou, il a organisé une conférence de presse pour davantage expliquer sur le sens de la mesure. Il a aussi expliqué les raisons de l'opération de saisie de bois de chauffe et de charbon. Éléonore Yerbanga. Communiquer pour mieux faire connaître les projets et activités du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques. C'est tout le sens de cette rencontre avec la presse sur d'abord la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables et ensuite sur l'exploitation et le transport du bois de chauffe et du charbon de bois. Selon le directeur général des forêts et la faune, la coupe du bois vert, le surpâturage et bien d'autres pratiques néfastes entravent le développement des ressources forestières, d'où l'opération spéciale de contrôle des infractions en matière forestière menée en mars dernier. Il y a ce qu'on appelle des forêts aménagées. C'est-à-dire que ces forêts-là ont fait l'objet d'un certain nombre d'études et on a décidé de quel type d'exploitation mener dans ces forêts-là. Et les gens qui exploitent ont bénéficié d'un certain nombre de formations. Et ils sont suivis jour et nuit pour savoir qu'ils respectent effectivement la réglementation. Ces gens-là, on les autorise à exploiter également du bois vert. En ce qui concerne la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables, le directeur général de la préservation de l'environnement et du développement durable a insisté sur le maintien de la dite loi et a fait le bilan sur l'état actuel de sa mise en œuvre. La sensibilisation est continuelle. C'est pas parce que il faut sanctionner qu'il ne faut pas sensibiliser. Nous avons fait des sorties tout récemment. Et comme quelqu'un, par rapport aux sachets d'eau, actuellement, nous estimons plus de 50% qui utilisent déjà des sachets bio dans le cadre des eaux, de l'ensachage d'eau. Si nous voulons sanctionner immédiatement parce que les consommateurs ou les distributeurs utilisent certains sachets non biodégradables, je pense que le problème serait plus sérieux parce que le consommateur sera même sanctionné puisqu'il est interdit de jeter un sachet non biodégradable. Le ministère, avec cette conférence de presse, attend l'accompagnement de tous pour la sauvegarde des ressources naturelles halieutiques et fauniques et la protection du cadre de vie des Burkinabés.
En sport, les 4e Jeux universitaires se tiendront du 14 au 19 mai prochain. Une vingtaine d'universités et grandes écoles du Burkina Faso prennent part à ce rendez-vous marqué par le sport et la culture. En prélude à la manifestation, le comité d'organisation était face à la presse ce matin pour expliquer les objectifs, mais aussi situer sur le point des préparatifs. Jean-Modeste Ouedraogo. La population universitaire et celle des grandes écoles du Burkina Faso se donnent rendez-vous à Ouagadougou pour communier autour du sport et de la culture. L'information a été donnée ce mardi au cours d'un point de presse animé par le directeur général du Centre national des œuvres universitaires. 20 universités et écoles supérieures du public et du privé sont attendues aux 4e Jeux universitaires du Burkina Faso. L'objectif est de mobiliser les étudiants autour de la culture et du sport afin d'éveiller en eux l'esprit de la compétitivité, la quête de l'excellence et la recherche de la paix. Le thème que nous avons retenu pour ces 4e Jeux, c'est sport et culture, facteur de cohésion et de paix dans nos différents campus universitaires. Vous savez qu'un homme qui veut s'épanouir, logiquement, doit faire un peu d'activité physique. Un homme ne peut pas s'épanouir également s'il ne sait pas d'où il vient. Et la dimension culturelle, justement, vient nous rappeler ce que nous sommes, d'où nous venons. Et ce n'est que sur cette base que nous pouvons bâtir ce que nous voulons faire demain. Ainsi donc, l'étudiant pourra retrouver son statut social d'antan en s'adonnant aux différentes activités sportives et culturelles, foi des organisateurs. Après 2007, 2010 et 2012, l'édition 2015 est celle de la maturité. En dépit de nos moyens très limités, nous avons voulu que cette année nous puissions organiser une grande course cycliste au niveau du boulevard Charles de Gaulle. Et également cette année, nous avons voulu rendre un hommage particulier également au parrain, Sa Majesté le Moronaba, en sortant les Jeux d'un cadre classique de sport, à savoir un stade bien bâti, pour l'amener sur le terrain de Sa Majesté. Le lancement officiel des 4e Jeux universitaires du Burkina Faso est prévu pour ce jeudi sur le terrain de Sa Majesté le Moronaba. Des Jeux qui se dérouleront du 14 au 19 mai prochain. Et on termine par la revue de presse des quotidiens de ce mardi 12 mai, une revue que nous propose Evelyne Dabiré. La suspension des émissions interactives continue de faire des vagues dans les quotidiens de ce jour. Chérif Sy, président du CNT, repris par l'Express du Faso, donne son avis. J'ai été vraiment étonné que cela se passe ici et maintenant au regard du classement du Burkina Faso par rapport à la liberté d'expression. Puis il poursuit. La décision n'a pas de fondement juridique. Le mécontentement des professionnels des médias transparaît dans notre temps où, à travers un communiqué, les associations des professionnels exigent la levée immédiate de la sanction. Même atmosphère sentie dans votre quotidien le soir. Autre point de l'actualité, l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle guinéenne faite par Moussa Dadis Camara à Ouagadougou. Les journaux annoncent diversement cette nouvelle. Moussa Dadis Camara en lice. Dadis candidat. Et aujourd'hui, au Faso s'interroge, quelle mouche a piqué l'ubuesque Amin Dada de Nzérékoré? Une interrogation qui se poursuit. On ne sait vraiment pas quelle mouche a piqué l'ancien président guinéen, ou plutôt le dantesque Moussa Amin Dada, pour qu'il pense encore qu'il a un destin national en Guinée. La réponse est donnée dans Sidoya qui écrit, il répond ainsi à l'appel de certains de ses compatriotes qui souhaitent son retour aux affaires. Mais aujourd'hui, au Faso soulève un pan de l'histoire de la Guinée et affirme « Après le carnage à huis clos dans le stade du 28 septembre en 2009, si c'est une fuite en avant, c'est mal parti car on voit mal comment les 157 victimes et les 109 femmes et filles violées accepteraient de compter pour du beurre et laisser Dadis Camara venir encore prétendre compétir pour la présidence. » Mon confrère conclut « Il doit d'abord répondre. » Et par rapport à cette candidature, le pays clôt à ce propos. Attention à ne pas réveiller les vieux démons. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.